La gamme Cyclo 2 Confort est à présent équipée de tiges de selle suspendues et basculantes. Pour basculer le chariot de selle, veuillez soulever le levier de la tige. Faites glisser la batterie le long de la glissière verticale, puis verrouillez-la à l'aide de la clé. L'opération inverse nécessitera de pousser sur la clé pour déverrouiller le barillet. Basculez le chariot de selle pour extraire la batterie. Déverrouillez le barillet en appuyant sur la clé et en la tournant simultanément. Attention de bien brancher le chargeur à la batterie en premier, puis le chargeur à la prise murale. Avec un seuil d'enjambement de 22 cm, le tricycle est très accessible pour toute personne. Ce tricycle est équipé d'une potence réglable sans outil. Il faut appuyer simultanément sur le bouton latéral gauche et tirer la languette vers le haut pour le réglage. Cela permet facilement d'affiner au mieux la posture du cycliste et de changer s'il y a plusieurs utilisateurs. Pour mettre en marche votre tricycle, vous devez tourner la clé de la batterie sur ON, puis appuyer sur le bouton MODE de la console de commande. Sur la console à présent allumée, vous trouvez plusieurs informations. Le niveau d'assistance. Par défaut, il affiche le niveau 1. Avec les flèches du haut et du bas, vous pouvez modifier le niveau d'assistance quand bon vous semble. Ce tricycle possède 5 niveaux d'assistance. La jauge de batterie, attention, celle-ci ne devient opérationnelle et juste que quand vous pédalez. Elle agit alors comme un voltmètre en temps réel. L'éclairage par la batterie et le rétroéclairage de l'écran sont accessibles en appuyant simultanément sur le bouton MODE et la flèche du haut. Pour actionner cette fonction, il faut presser le levier de frein et simultanément actionner la fonction parking comme sur ces deux exemples.